Hey, yep, tout le monde, et bienvenue sur Agrarian Skies. Bonjour tout le monde. Donc, on était en train de faire les abeilles, sauf que je suis parti sur Tomcraft aider Reddix et Tanf. Sur Tomcraft. Pourquoi Tomcraft que je le ferai pas sur cette série? Pourquoi? C'est tout simplement qu'il est easy. On peut pas faire plus easy que ça. Tout simplement, c'est, vous voyez, tout ça, bah, j'ai pas eu besoin de papier. Voilà. En fait, Tomcraft dans ce modpack, en fait, c'est juste des aspects à avoir pour débloquer la quête. C'est pas comme dans le LP qu'il faut, en fait, tout simplement, vous allez dans votre table de craft, que vous allez ici, que vous mettez la recherche et vous devez faire tout le tintouin qu'il y a derrière. Voilà. Donc, moi, j'ai pas, je veux pas faire des quêtes avec vous. Tout simplement, c'est que pour moi, ça devient chiant Tomcraft dans cette version-là. Donc, du coup, je le ferai pas. Cependant, il y a des add-ons qui sont plutôt sympas, notamment au niveau des abeilles. Même si on les a de base, mais vous voyez, il faut juste avoir des aspects pour obtenir en fait bah, la quête en fait. Donc, je trouve ça tellement chiant que je ne compte pas le faire du tout avec vous. C'est trop chiant. C'est trop chiant pour moi. Donc c'est pour ça que je le ferai pas. Vice à Pierre Booster. Oh, ça va, tranquille. Il me faut un Oram. Tiens, je vais voir ce que ça donne. Oram, c'est ça. Et ça, je crois. Ouais, c'est ça. Un Oram. The last recruit knowledge. Ah, il faut avoir un knowledge sur moi. Ah, fuck. Bon, bah tant pis. Tant pis, tant pis. Donc, on va continuer les abeilles. Donc, bah, concernant Tomcraft, on va pas continuer pour l'instant, du coup. Puis, il faut ça et ça là. Comme ça, je vais être tranquille. Je vais changer d'habit. Tic. Voilà. Comme ça, on est tranquille. Alors, au niveau des abeilles, ce que j'ai fait, j'avais commencé un épisode, sauf que je le trouvais pas intéressant et il y a encore des vaches qui ont popé. Bande de salopes. Oh, qu'est-ce qu'elles sont chiantes, ceux-là, je vous jure. Mais bon, c'est pas très grave, au pire. Hop, je fous ça là, c'est juste pour mettre celle-là. Alors, j'ai. Hop, il me faut ça. C'est pour agrandir mon petit champ ici. Tac, tac et tac. Comme ça, c'est magnifique. C'est splendide. Hop, j'ai autant de blé. J'ai tout ça. J'ai encore tout ça. Hop, hop. Oh putain, il y en a tellement là-dedans. C'est dingue. Hop. Ça, on va le jeter parce que j'en ai pas besoin. La reste non plus. Ah, la Reston veut peut-être la garder. Hop. Je vais la garder dans le réseau. Ça peut toujours servir. Du coup, au niveau de des abeilles. Alors, vous voyez déjà dans Tomcraft ce que j'ai fait. J'ai fait ça. C'est très chiant. On va quand même faire quelques épisodes sur Tomcraft parce qu'il y a des nouveaux trucs qui sont fortement intéressants. Il y a des quêtes que je ne connais absolument pas parce que c'est des add-ons. Il y a Botania qui se fait avec bah, Tomcraft, donc ça on le fera ensemble si vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, du coup, ça m'intéresse pas trop de le faire en vidéo avec vous. Alors, il va nous falloir des abeilles. Alors, dans l'épisode, c'est ce que j'avais fait, c'était une artificielle que j'ai faite en une apiary, donc c'est pour ça que j'ai une apiary avec une abeille qui tourne constamment dedans. J'ai fait une industrielle apiary de gènes d'industrie, pourquoi? Parce que j'en avais besoin. Et dedans, je fais tourner une Underium qui se trouve dans le dans l'End. Dans l'End, il y a une quête qui vous est offerte par Monsieur Direwolf. Tuer 50 Endermen, je crois, et obtenez la fameuse quête qui est déjà un solar panel, mais vous pouvez en faire une deuxième qui est bah, l'Enderium
avoir une Abel Dendrium. Donc du coup, je la fais tourner en boucle depuis 5 jours. Oh là, je baille, je sais pas pourquoi. Intéressant le screen. Oui, donc je disais à ça, du coup, ça va me servir. Donc, on va devoir faire d'autres quêtes qui est Gendustry. Gendustry des Provate Frames. Alors, les Provate Frames, les imprégnés de frames plutôt, celles-là, je vais les faire. C'est tout simplement facile. Hop. Voilà, c'est juste du bois, des bûches. Donc, on va prendre par exemple de l'acacia, ça marche très bien avec. Hop, vous le mettez. Et vous en faut 8. C'est quoi Inventory Blaze? Bah, tu peux le faire. Non, tu. Ah, oui, d'accord. Oui, imprégné de casing, je me disais, mais what? Qu'est-ce qu'il dit? Alors, il vous faut 102 seed oil, qui sont faciles à faire, naturellement. Mais c'est très simple. Non, j'étais pas là-dedans, j'étais là-dedans. Alors, j'ai plus de string. Ah. Eh ben, je vais en chercher du string, je vais aller dans l'armoire. Hein. Putain, les nombres de chauves-souris qu'il y a chez Dead. What the fucking shit? On va chercher ce qu'il faut. Hop, descendons. Récupérons du string. Salut toi, Sagaz. Ah, bah je crois que t'es mort. Non? Non, ah si, je me disais bien. On va juste faire ça en laine. Voilà. Les strings, c'est tout ce qu'il y a de plus. Talentueux. Hop, on va faire ça là-dedans. Voilà. Imprégné de frame. Imprégné de seed oil. Donc on obtient ça et on obtient 3 oblivion. Les oblivion frame vous permet de faire une mutation. Une très grosse mutation d'un coup. Ça vous tue l'abeille. Généralement, ça peut vous la passer en ignoble. L'abeille en ignoble peut mourir au bout d'un certain cycle. Qu'une pristine peut durer indéfiniment. Donc ça, on va les garder. On va en avoir peut-être besoin. Je dis bien peut-être, c'est pas sûr. Surtout avec Gendustry, on peut choisir l'abeille qu'on veut. Donc ça, c'est pour l'instant le truc le plus pété. Ce qu'il nous faut, nous, no ledge. Ouf, voilà. Ce qu'il nous faut, nous, comme abeille, c'est une abeille qui nous servira dans Tomcraft et en même temps qui nous servira à nous. Tout simplement, pour faire les knowledge, voilà, il nous faut des lore fragments. Et lore fragment s'obtient en faisant des Savant Queen. Les Savant Queen s'obtiennent avec, bien sûr, des pupilles et des chocolateries. Qui s'obtiennent eux également par des purple et des arcades. Les purple s'obtiennent avec des monastiques et des arcanes. Les arcanes s'obtiennent en ésotérique et mysterious. Qui s'obtiennent avec cultivate et eldritch. Qui s'obtiennent mystical cultivate, common forest. Bah forest, tout court. Voilà. C'est comme ça qu'on obtient les abeilles. Alors. Il peut y avoir bien sûr le système là ou le système avec la mana qui s'obtient avec cette fleur là. Voilà, ces deux fleurs là. Donc je vais enlever quelques fleurs. Hein. Voilà. On peut voir le faisceau. Pourquoi? Parce que ça a vachement pompé actuellement du mana. Hop, et voyez, ça commence à looter des abeilles. Les abeilles là, en fait, c'est grâce aux abeilles là, aux fleurs là, vous voyez, ça fait popper des abeilles. Donc c'est en échange de mana, ça vous obtient des abeilles. Alors on va prendre ceci. Alors attention, ça suce bien, hein, personnellement.
Hop, voyez, elle vient de descendre de 2 crans, pourquoi? Pour avoir fait popper des abeilles. Donc, ça peut être des abeilles assez rares, comme ça peut être des abeilles complètement n'importe nawak. Voilà, une autre usuelle, sans doute une tropicole qui se trouve là. Hein. Donc, je vais vider complètement la mana pool pour obtenir le maximum d'abeilles. Vous voyez, ça pop de vraiment de partout les abeilles. Hein. Donc, je vais les récupérer. Tac, 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 tac. Voilà, on va les mettre dans les coffres. Hein. Hop, une trisiole magical tropical machin. C'est bien, ça fait des belles abeilles quand même. Wintry, mystical. Donc, il peut y avoir quand même que des abeilles des reines ou des fois y avoir que des drones que j'ai pas forcément scanné pour avoir leur aspect parce que pour l'instant j'en ai pas. Vous voyez, on peut obtenir des oblivions comme des infernales. Les infernales, on les trouve dans le Nether parce qu'on ne peut pas les trouver autrement. Donc, c'est pour ça qu'on peut les obtenir comme ça. J'ai encore une tropicole, c'est plutôt sympa les tropicoles d'ailleurs. C'est plutôt un bon point. Hop, j'ai obtenu encore une abeille ici. Sorcerus. Ah, on a obtenu là-bas une Ender, ce qui est plutôt sympa. Hop, l'amido, la Wintry, la forêt. Donc je vais laisser tout ça tourner pendant X temps. Bon, vous voyez, la mana pool, elle descend à une vitesse assez extraordinaire, rapidement surtout. Donc, ah bah il y a même une tropicole qui traînait là. Donc c'est bien. Oh, des atunèdes. Les atunèdes drones, c'est assez. En fait, on les trouve que seulement en faisant une deep hive, qui est une ruche assez rare. Hein, les deep hives. Les deep. Les div. Non. Hive. Hive. C'est laquelle? C'est une quête. Je crois que c'est une quête. Si c'est pas une quête, je l'ai vu. J'ai vu dans un mode. Je ne sais plus lequel. Oh. On obtient des belles choses quand même. Vous voyez, on obtient même des Mido Princess. On obtient des Atunette Princess. Ah, oh, ça c'est cool. La tunette princesse, bon, c'est une idiote, c'est un peu con. Mais tant mieux. Tant mieux, tant mieux, je peux avoir une reine. Modeste, vous voyez, on peut vraiment tout avoir ici. Alors, on va devoir faire un énorme champ d'herbe. On va devoir avoir un énorme champ d'herbe pour les abeilles. Mais on va faire les abeilles que industrielles. Pourquoi industrielles? Parce que. Apiary, c'est bien beau, mais c'est long. Mais dans les industriels, dans ceux-là, on peut upgrade l'apiary pour qu'elle puisse travailler nettement plus rapidement. Donc c'est plutôt un bon point. Au niveau de la mana, oh, elle a pris une sacrée claque quand même. Hein. C'est pas pour dire, mais. Bah si, c'est pour dire. Elle en a pris une sacrée claque. Hein. Bon, de toute façon. On va les laisser travailler les cocottes. Hein. Voyez, on obtient vraiment de tout, tout, tout. Donc, je vais enlever les cocottes. Voilà. C'est quand même lourd. Du coup, au niveau de ceci, alors ceci pour récolter du seed oil. Ce que je conseille ceux qui ont Agricraft, c'est d'utiliser les citrouilles. Pourquoi les citrouilles? Parce que quand vous faites les citrouilles, vous obtenez des graines et les graines là vous font du seed oil. Donc c'est un très bon point pour ceux qui ne peuvent pas avoir des seeds de blé. Vous pouvez les faire via les seed oil. C'est un très bon point. Et vous voyez, ça vous fout du seed oil qui se transfère ici. Et voilà. Et en plus, on obtient 10. Hein. 10 à chaque fois. Bah, c'est comme les seeds de base, je crois d'ailleurs. Si je me trompe pas. Du coup, faisons une autre ruche. Parce qu'on doit obtenir une autre ruche. Voilà. Vous voyez, on peut faire via l'induction smelter, on peut faire des abeilles complètement différentes. Des wintry, des modestes. On peut obtenir des forests, des tropicales et des marshy. Donc ça, c'est bien. On peut obtenir les enders. Donc ça, c'est un bon point.
On peut obtenir des manas. Des manas avec Tomcraft. Donc du coup, on va aller chercher notre livre et on va faire cette hive. On va chercher notre livre, on va chercher ça. Et on va se modifier. Voilà. Voilà. Alors, du coup, on va là-dedans. Alors, il me faudrait du vol comme il me faudrait ceci, mais ceci, on va attendre plus tard. On doit aller dans... C'est pas celle-là, c'est Axe. Voici. Ah, il me faut deux. Il me faut de l'air. Et bonne blague. Ah, the big bonne blague. Parce qu'en plus, c'est une quête qui se trouve dans Thaumaturgie. Voilà, c'est de faire ceci. Des Tomic Dolls. C'est pour obtenir un pêche. Voilà. On peut obtenir ceci. Le pêche est le petit animal qu'on se trouve dans les Magical Forest. Blitz Création, hein, donc ça c'est bon. On pourrait se le faire d'ailleurs. Mais on va pas faire ça, on va vraiment faire les abeilles du coup. Je ferai ça plus tard. Du coup, on va retourner dans du coup BN3. On va faire du coup d'autres Industrial Pierry parce qu'on va commencer les petites abeilles. Alors. Du coup, industrial apiary. Oui, ça c'est pas mal. Oh, on va faire du colorant, c'est cool. Du coup, ça coûte très très cher en bronze, en bronze, en bronze, en redstone et en petit or. Donc ça c'est très simple. Petit piston et du verre, normalement. Donc ça, on va aller voir si c'est possible d'en faire ici. Donc ça, c'est du copper. Est-ce que j'ai du tin? J'ai du silver. Non, j'ai du tin, oui. Voilà, je me suis fait max de... Mais ça va partir tellement vite. Ça, bah, on peut le faire comme ça, mais on va le faire comme ceci. 4. Voilà, on va faire 4. 1, 2, 3, 4. Ouais, vous voyez, le bronze, ça part tellement vite. 4 comme ceci. 4. L'avantage avec... comment? Avec Apply, ça va tellement vite pour tout faire. Ah, il me manque des choses. Il me manque du verre. Ah, il me manque du verre. Oh, il me manque du verre, voyez-vous cela? Allons chercher ce qu'il faut du coup. De la cobble. Oui, c'est tout simple. Il faut de la simple cobble. Vous mettez dans ceci pour obtenir du gravier. Donc ça va plutôt relativement vite, hein. Hop, oh, j'ai encore obtenu ça. Ouais, là, là. Voilà, on obtient 16. Vous le refaites encore Warhammer automatique. Ça vous obtient du sable. Donc, ça, c'est un très bon point. Hop. Voilà, j'en ai 16. Donc, du coup, je vais le faire cuire. Là-dedans. Vous voyez, on peut faire cuire, on peut faire pulvériser. Du coup, de la cobble, où on peut faire derrière en fait, foutre un stack de cobble, et quand vous partez, vous le faites pulvériser le gravier qui se met en dessous, et ça fait du sable. Voilà, c'est plutôt un bon point aussi. Hop, hop. Une autre apiary. Une autre apiary. Me faut des câbles d'énergie. Qui s'obtient là-dedans? Non, là-dedans. Ah, j'ai vu du verre. Putain, j'en ai fait tellement de trop ça.
pas très grave. Hop. Ardennes, Flux. Oh, j'ai encore des speed ici. Oh, j'ai encore les hammers. Des fluides, non. Non plus. J'avais pas un autre. Plus de câbles. Non, bon, tant pis. Pas très grave au pire. Je vais aller piquer un petit solar chez Loulou. Ah, ils sont plus en stock. Tant pis. Ah bah, lui il est en train de s'amuser avec Applied hein, de tout automatiser. Et puis il va commencer aussi les abeilles de son côté. Donc c'est plutôt un très bon point. Hein. Moi je suis content de mon réseau. Ah bah, j'ai fait des belles choses. Du coup, on va continuer. On va. Bah, je vais piquer le panneau qui se trouve là-bas et je vais construire la petite terre, la petite plateforme. Petite plateforme de terre. Et puis du coup, je vous retrouve juste après pour continuer un petit peu l'installation de tout ça. À tout de suite. Bon, alors, pendant ce temps que je suis en train de faire ça, je vais prolonger l'état de la terre pour avoir de la graisse. Bon, je suppose que je risquerai d'obtenir... Ah bah déjà, j'ai ça, donc il faudrait peut-être que je torche avant qu'il y ait des mobs. C'est déjà un très bon point. 3, 4... Pendant que je fasse cuire du bois. Sauf que je n'ai pas de bois. Il faut que j'aille en chercher là-bas. Je vais prolonger du coup bah, ce qu'il faut. Ou carrément faire une arcade lampe en fait de Tom Cross. Ça serait plutôt bien en fait. On a des pommes. Mais je veux du bois. Voilà. Le bois qui va bien. Moi bon, ça va, ça ressemble à quelque chose hein, nos plateformes. C'est plutôt un bon point. Alors, du coup, je vais devoir faire cuire tout ça. Du coup, j'ai de la dust. Ça, c'est en train de se faire encore. Bon, faut juste un deuxième. Voilà, c'est parfait. La cobble, je la jette là. Le bois, ici. Voilà. Hop, hop. Ici, ici. Voilà, je vais en foutre là aussi. Du coup, bah ça c'est en train de se faire tranquillement. Je vais améliorer encore de la terre. Est-ce qu'il reste? Oh oui, ça va. Il y a ce qu'il faut pour que ça puisse continuer. Voilà. Alors, du coup, je vais prolonger l'herbe pour obtenir justement un champ parfait. Ce qui est plutôt bien. Vive l'arrosoir, hein, c'est moi qui vous le dis. Hop. On progresse, bon bah ça c'est cool. Du coup, ça je peux enlever. Obtenir ça là. Oh putain, évidemment c'est un flint hein. Oh, fuck. Tant pis. Hop, 3 grâces de plus. Il devrait torcher. Oh la vache. Si ça pop pas chez lui, il y a vraiment de la chance hein. Enfin bref, du coup bah on va continuer notre ça, donc je vous retrouve une fois que j'aurai fini vraiment de recouvrir tout d'herbe. Ben re, donc voilà, j'ai fait toute l'herbe, hein, donc j'ai dû en prendre comme fait Ethan's là actuellement avec de la dirt, naturellement. Du coup, actuellement, j'ai mis mes industriels à pierrer ici avec l'énergie au milieu parce que je vais les farmer comme des porcs. Cependant, je suis en train de remarquer quelque chose, c'est que bah, justement, comme j'ai besoin d'énergie en même temps, je fais passer ça au milieu. Alors, solar panel 4, hein, pour l'instant, ça suffit vu les 3 qu'il y a. Vu qu'un seul sur ça en auto, bah là, ça s'épuise, c'est normal, j'ai plus l'énergie dessus. Mais ça va bien produire. On va commencer les premières abeilles, du coup. Dommage que dans la quête des bees, en fait, nous demande que quelques abeilles, que quelques crafts. Je trouve ça un peu con. Sur, je crois, Agrarian 1, il nous demandait au moins d'obtenir quelques abeilles.
Là, absolument pas. Donc je trouve ça un peu con personnellement, mais bon, pas grave. Donc du coup, voilà. Du coup, on va récolter déjà quelque chose qui va me servir. Tac, tac, tac. Ça, je mets ça là, là, là. J'ai besoin de ça. Et puis c'est tout, en fait, hein. J'ai besoin de rien d'autre. Ça. Mais ça. Tac. On va continuer celle-là. Bah ça, c'est toujours en train de se remplir, du coup. Ça prend du temps. Ici, bah, c'est plutôt correct. Là, bah, il n'y a plus d'énergie, hein. Il me dit bien que l'énergie, il n'y en a plus. C'est bien. Du coup, on va commencer les premières abeilles. Donc, on va aller chercher dans Bees. Voilà, les bees, c'est tout ce qu'il y a là, actuellement. Il y en a énormément. Hein, voyez-vous? Bees, what? Ok, oh, c'est pas grave. Donc, du coup, tout ce qui est bees de foresterie, c'est là. Et normalement, il y a Magic Bee aussi. Donc, ça, on y reviendra plus tard. Mais on y arrivera petit à petit. Alors, notre objectif du jour actuellement, c'est d'obtenir déjà les premières abeilles correctes. Afin d'obtenir des belles abeilles. Du coup, j'ai besoin. On va commencer du coup par les forests. Donc, il me faut ça et ça. Sachant que j'ai deux forest drones différentes là. Pourquoi? Bah, on va le scanner tout de suite. Donc, là, c'est du normal, normal, normal. Ok, et ici, ok. Alors, pourquoi les génomes sont différents? C'est du 3 ici. Yes, yes, no. Ah, celle-ci permet de qu'il pleuve en fait. Elle peut travailler quand il pleut. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Et celle-là ne permet pas quand elle pleut. Ok. Et actuellement, elle a ignoble. Donc elle va bientôt crever. Donc du coup, on va la faire travailler, celle-ci et celle-ci. Donc elle est en train de se préparer. Et pouf! Là, ils disent qu'elle pleut, c'est tout à fait normal parce qu'il faut attendre une mutation complète pour dire comme quoi la reine pourrait travailler sous la pluie. Donc pour l'instant, bah, il pleut. Bon, bah tant pis. On va passer une autre abeille. L'amido. On va voir pourquoi elle travaille aussi celle-là différemment. Elles font deux et elles ne sont pas sous la flotte. Elles sont pas sous la flotte. Celles-ci, elles sont pas sous la flotte. Et je suppose que celles-ci, elles travaillent sous la flotte. Ouais, elles travaillent sous la flotte. Donc du coup, je vais garder celle-ci pour qu'elle travaille sous la flotte. Hop, on va mettre les 5 directement. Ça, on pourrait les bouffer pour justement ça, mais on va quand même les garder. Ça pourrait nous être utile par la suite. Et ensuite, on a nos modestes. Alors, les modestes, c'est un petit peu chiant parce qu'il leur faut un désert. Et actuellement, bah, j'ai pas l'upgrade du désert. Parce qu'il faut du coup Gendustry. Gendustry. Pourquoi Gendustry? Parce qu'il nous faut un désert émulation. Voilà. Donc, ça coûte très cher. Donc, ça, pas très cher non plus. Un désert émulation, il vous faut ça, donc c'est beaucoup de bronze. Et ça, bah, c'est juste ça. Bon, on pourrait le faire. On pourrait le faire du coup chez lui. Voilà, chez mon petit loup. On va faire ça. On va du coup essayer de faire une émulation de désert. Voilà. 2, 3, 4, 5. Hop, on va. En désert, on va faire ça, on va faire ça. En désert, on va reprendre désert là, on va faire ça. Hop, on en prend un. En désert, désert, on va voir. Ouais, évidemment, il me manque quelque chose, c'est ça. Voilà, et voilà.
J'ai une deuxième émulation. Donc, hop. Donc, du coup, on va scanner voir ce que ça vaut. Oh, ça obtient pas mal de choses. Donc, c'est important. Du coup, quand on va mettre ça là-dedans, déjà, vous voyez là, ça utilise que 20 RF par tick. Quand on a un besoin de base. Là, ça permet d'obtenir 20% de, permet de produire, non. Ça consomme 20% d'énergie en plus. Hop. Ch'ting. Voilà, ça en obtient 24 RF. Donc ça veut dire que les modestes peuvent travailler maintenant. Donc on va prendre des modestes. Les modestes. Les modestes. Les modestes. Voilà. On va bien sûr les scanner, ce qui est tout à fait normal. Elles ont besoin d'un cactus en plus. Celle-là, ok. Elle travaille de nuit. Salut la poule. Putain, elle me casse les couilles celle-là. Je vais foutre un grinder pour les buter celle-là parce que elles vont m'énerver. Et du coup, j'ai celle-ci qui a besoin de cactus. Qu'elle travaille. Ça, c'est très important. C'est très important. Elle travaille de jour, de nuit. Elle est contente qu'il pleuve. Donc ça, c'est un bon point. Celle-là, je vais la garder. Donc nocturne, ok. Et qui pleuvent. Tolérant flyer, je crois, c'est tolérance qui est pas de cactus à côté. Je crois, je ne suis pas sûr. Hein. Voilà. Et là, normalement, elle travaille. Ouais, c'est ça. Alors, pour l'instant, elle va travailler. Est-ce qu'elle va vraiment travailler jusqu'au bout parce que il n'y a pas de cactus à côté? On va le savoir tout de suite. Donc ça, bah, bizarrement, je les remets là. Bah bizarrement non. Je le remets tout court ici. Les attunnels, je voudrais bien les scanner, sauf que je n'ai plus ce qu'il faut. Pourquoi? Parce qu'il va me falloir ça dans une centrifuge. La centrifuge me permet de récolter principalement du honey drop. C'est la petite goutte de miel en fait qui nous permet justement de scanner les abeilles éventuellement. Alors, on va du coup scanner nos autres abeilles. On va. Alors, on a. Ah, on a une pristine mido. Ignoble, ignoble. Ah, j'avais pas vu que j'avais une autre mido. Ah, oui. Elle me vaut quoi celle-là? Ouais, comme les autres en fait. Ok. De la merde. Tropical, alors il faudra les mettre très loin, celle-là. Pourquoi? Parce qu'elle va nous piquer la gueule. Du coup, elle est fertile de 3. Ok. Elle est ignoble. C'est un peu dommage. Hop, donc celle-ci, elle est pareille que les autres. Hein. Connais pas les mutations. Donc du coup, bah celle-là, elle va du coup aller ici. Et puis celle-ci, alors il faut savoir ce qu'elle donne aussi. Ces abeilles-là nous donnent quoi principalement comme aspect? Du honey, tout simplement. Ok. Ça permet de faire des mutations par-dessus. Ok. Bon, bah, on n'a pas besoin de ça. On va récupérer ça. Ok. On va du coup aller ici. On va lui foutre ça et ça. Donc elle va travailler quand elle aura de l'énergie. Elle pleut, elle pleut. Elle a pas de fleurs parce qu'il lui faut un cactus. C'est pour ça que j'avais dit que j'avais besoin de cactus. Donc, qui dit cactus dit forcément ici. Et également, voilà, que je mette ça là. Pourquoi? C'est pour mettre un sable. Et un cactus. Alors, il me faut un sable. Pas de la dust. J'ai pas du sable? Hop. Un gravel. On fait le pulvériser. Voilà. Un sable. Ce sable est correct. On le fout là. On va chercher un petit cactus qui se trouve chez Monsieur Redix.
qui a pas mal avancé d'ailleurs. Voilà, un cactus. C'est très facile de les cultiver du coup. Et hop. Donc du coup, l'abeille, elle va détecter comme quoi dans son rayon d'action, qui est du territoire 9 par 6 par 9, donc c'est 9 fois 9 sur ses côtés et 6 en hauteur. Et vous voyez là, elle a dit aucune erreur, donc elle va travailler. Et c'est du cactus, donc du coup, et comme elle est désert, on a mis l'humiliation qui va avec, du coup, elle pourra travailler comme elle veut. Donc ça, c'est pour du au nez. Ok. J'ai bien envie de la faire travailler en automatique, là, celle-là. Ça va nous permettre de. Ah oui, pas d'énergie, c'est vrai. Ça, je m'en fous. Il me faudrait juste un petit câble d'énergie supplémentaire. Un petit câble d'énergie supplémentaire. Je ne sais absolument pas où est-ce que j'ai pu en mettre un hors de net. Ah, c'est parfait. Et du coup, on va prendre ça. Oui. Hop, pour elle. Pourquoi tu n'as pas de cactus? Pourtant, c'est bien cactus que tu as besoin. Ah, je comprends pas pourquoi. Cactus. Flower. On va la décoter et la remettre. Donc celle-là, elle travaille. Ah oh, bah en plus, il fait jour. Donc celle-là, elle travaille, celle-là aussi, hein. Donc ça va, le panneau solaire, il se recharge. Absolument bien, hein. On peut voir que ça ne descend absolument pas. Donc du coup, bah ça travaille tranquillement. Nous, pendant ce temps, on va complètement se laisser parce que bah, les abeilles, c'est bien beau, mais c'est ultra long pour obtenir ce qu'il faut. Elle, je ne comprends pas pourquoi elle ne veut pas son putain de cactus. C'est bien cactus qu'elle veut, non? Ouais, flower, cactus. Cactus, mais elle veut pas le cactus. Aride. Peut-être que la température ne va pas comme il faut ici. Pourtant, aride, humidité aride, température haute. Bah, c'est bon normalement. Mais elle veut pas. C'est ça que je comprends pas trop. Il y a certaines abeilles qui veulent pas. Tant pis, c'est pas très grave. Au pire, bah, sur ce, je vous laisse. Moi, je vais continuer un peu ça off caméra. Je vais mettre que des apiaries tout au long. Faire des abeilles, faire un petit peu de mutation au début. Et puis du coup, je vous retrouve plus tard. Celle-là, elle veut toujours pas travailler. Bon, bah, si elle veut pas travailler, pouf. Je vais enlever l'énergie, hein. Ça sert à rien. Hop. Je remets ça en fait, ça utilise l'énergie. Jusqu'à un moment, elle va dire fuck it, j'ai pas de cactus. C'est con parce qu'il y en a un juste à côté d'elle. Voilà, comme là en fait. J'ai pas de cactus. Bon, bah si tu veux, t'as pas de cactus, c'est con que. Moi, du coup, j'attends de faire ça et puis de voir un petit peu. Voir un petit peu ce qu'elle a sous les yeux. Pour me donner ce qu'il faut. Voilà, sur ce, je vous laisse. Bisous tout le monde et à la prochaine. Ciao. C'était rapide.